Moi, c'est François Xavier Chouamou et j'ai été victime de discrimination et de racisme. Et d'ailleurs, je continue de le vivre au quotidien. Je suis arrivé en Belgique en 2013 et en 2014, j'étais inscrit comme étudiant à la faculté de philosophie et de langue à l'université de Gand. Mon premier racisme, je l'ai vécu à Gand, en fait. Sincèrement, il y a ce réel problème de discrimination au niveau des logements. À plusieurs coups, j'avais de l'argent parce que je faisais mes jobs étudiants, mais pour pouvoir trouver une chambre, c'était difficile. Parce que j'appelle, je prends mon téléphone, j'appelle. Quand on écoute ma voix, c'est un noir. Et directement, on me dit, il n'y en a plus. Donc, du coup, parfois, j'étais obligé d'utiliser mes camarades de classe, des blancs. J'ai dit, les gars, j'ai besoin de la maison. Il prend le téléphone, il appelle. On dit, oui, venez. Il arrive. Le mec, il est obligé de prendre le contrat avec son nom pour que je réside. Pour moi, c'était difficile. Je me suis dit, mais on vit dans quel monde? Même dans les transports, tu te rends compte qu'une dame, elle arrive, elle a des béquilles, elle a mal aux pieds. Hein. Mais je suis assis. La dame, comme je suis noir, elle préfère rester debout. Je dis, madame, venez vous asseoir. Elle me dit non. À nouveau, je lui dis, madame, veuillez vous asseoir, vous avez mal aux pieds. Elle m'a dit carrément qu'elle ne s'assoit pas avec les blacks. Vous imaginez? Je me suis dit, mais cette dame, c'est... Bref, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont foncièrement racistes. Et moi, ce que j'aimerais dire à ces personnes, c'est que, en fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'on a tous le même sang. Que tu sois jaune, blanc, noir, on est tous, on a tous le même sang qui coule dans nos veines. Il est rouge. Donc, du coup, ça ne sert à rien d'être raciste. Parce que pour moi, je me dis, les racistes, c'est des faibles. Parce que pour moi, je me dis, quelqu'un qui... pour moi, le racisme, c'est un complexe d'infériorité. Donc, à toutes ces personnes, j'aimerais qu'ils comprennent qu'on n'a qu'une seule vie. Et un jour, on va mourir. Donc, ça ne sert à rien d'être raciste. Ça ne sert à rien.